Salut à tous, c'est Sepoix45, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, j'aimerais vous souhaiter une très bonne année 2013. J'espère que la santé ça ira, le bonheur ça ira, etc. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo assez rapide et je vais essayer quand même d'être assez clair. Comme vous pouvez le voir dans le titre, j'ai décidé de quitter la Team Boom. Alors rassurez-vous, ça n'a rien à voir, c'est pas des embrouilles, il n'y a rien. C'est tout simplement qu'avec un des membres, enfin des anciens membres du moins, on a discuté un peu de l'avenir de la team et on s'est aperçu que depuis un mois, deux mois à peu près, on n'était que deux voire trois grand maximum sur 7 ou 8 à jouer, à être actif en fait. Et donc on s'est dit qu'on pouvait plus du tout continuer comme ça. C'est pour cela que j'ai décidé, parce que c'est moi qui l'a créé, la Team Boom, de la supprimer tout simplement. Donc tous les membres s'auto-suppriment, on peut dire ça comme ça. Donc c'est pour cela que durant ce mois de janvier, je vais réfléchir à créer une nouvelle team. Et j'ai ouvert dernièrement une session de recrutement, je ne sais pas si vous avez vu, si vous me suivez sur Facebook. Pour ce qui est des recrutements, en fait, c'est ouvert à tout le monde. À tout le monde. Il y a quand même des critères que je vais vous citer dans quelques instants. Alors, pour en revenir à la suppression de la Team Boom, elle s'est créée déjà au mois de février 2012, donc ça aurait fait bientôt un an. Je me sentais un peu seul en fait à jouer des fois. Le soir, on était souvent deux, comme je vous le dis, voire trois grand maximum, voire quatre, mais c'était vraiment exceptionnel. Il y a peut-être juste les vacances où on arrivait à se retrouver. Peut-être juste les vacances où on arrivait à se retrouver à quatre. Heureusement d'ailleurs qu'il y avait David 4520 qui lui n'était pas dans la team, hein, c'était juste un ami, mais avec lui on était quand même trois, mais sans le compter on était deux. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de créer une nouvelle team. Donc on ne sait pas encore le nom qu'on va lui donner. Alors il faut savoir que les membres qui seront dans la nouvelle team, ça sera déjà Didi Massilia, boss du 45. Donc voici les deux membres officiels qui seront avec moi, donc on sera trois. Ensuite on va discuter d'une chose qui ne concerne que nous, concernant U45-120. Et puis les autres membres en fait qui étaient dans la Team Boom, en fait, je suis désolé, mais voilà, vous n'avez pas été assez actifs, vous n'avez pas assez été présents, vous n'avez pas assez joué avec nous. Donc on a été obligé de prendre des décisions, mais c'est quand même moi qui ai pris la décision finale de tout arrêter. Donc pour en revenir aux critères de recrutement, tout d'abord il faut avoir 18 ans, enfin minimum 17 ans, allez, minimum j'ai bien dit. Je ne veux pas de « Ah mais le tel mars, je vais avoir 17 ans ». Non, je veux que la personne qui m'envoie sa candidature ait 17 ans en ce moment même, en direct à l'heure où je parle. Après si c'est dans le mois de courant de janvier, on peut négocier, mais ça on en discutera entre nous. Ensuite il faut avoir Skype et être très actif sur Skype, et je tiens énormément à préciser ce point. Il faut être absolument actif sur Skype et avoir un micro correct. Je ne veux pas de micro d'ordi pourri où on a un bruit de ventilateur, où on entend la voisine faire le ménage. Non, je veux vraiment un micro de bonne qualité. Alors je ne demande pas un micro à 400 euros, je vous demande juste un petit micro qui coûte 15 euros dans le commerce, qui est vraiment très simple, juste voilà, deux écouteurs et un micro sans plus. Donc il me reste plus beaucoup de temps pour parler, il me reste une minute. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi, avoir Black Ops 2 parce que c'est sur le jeu auquel on joue vraiment. Alors pour les candidatures, en fait on fera des tests sur Skype pour voir si vous savez quand même assez bien délirer, et puis des tests en multi pour voir si vous savez quand même un minimum jouer en équipe et un minimum savoir jouer, parce que je vais pas non plus recruter un mec qui a 0,10 de ratio, on est bien d'accord. Donc pour rappeler, avoir Skype, être très actif, avoir un compte PSN et être très actif également, surtout le week-end, c'est très important le week-end. Ensuite avoir un micro correct. Ensuite, tout simplement avoir un minimum de 17 ans. Donc voilà en ce qui concerne ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous serez nombreux à m'envoyer vos candidatures pour que j'ai assez le choix. Donc dans la candidature, vous allez aussi m'envoyer un peu ce qui vous motive à rentrer dans la future team que je vais créer. Au passage, je tiens à remercier mes 600 abonnés. Je ferai sûrement un face live commentaire sur Black Ops 2 pour fêter ça. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas de m'envoyer vos candidatures sur sepoix45@gmail.com. Salut et
à ma console.